Allez-y en douceur. T'as vraiment cru qu'il y avait une solution pour ça? Quoi? Tu veux que je répète? Non! 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 Alors, si je comprends bien, après tout ça, tu peux pas me réparer? C'est encore plus con quand c'est toi qui le dis. Aussi con que de savoir incapable de faire la seule chose pour laquelle je te gardais en vie. T'as des dernières paroles? Comment je m'appelle? On s'en bat les couilles. Attends! Quatre ou cinq moments. L'est-il? Quatre ou cinq moments, c'est tout ce qu'il faut. Pour? Pour être un héros. Tout le monde pense que c'est un poste à plein temps. Se réveiller héros, brosser les dents héros, aller au bureau héros. C'est pas ça du tout. Sur une vie entière, il n'y a que 4 ou 5 moments qui comptent vraiment. Des moments où la vie te laisse choisir de faire un sacrifice, surmonter un défaut, sauver un ami, épargner un adversaire. Dans ces moments-là, tout le reste s'efface. La façon dont le monde nous considère. La façon dont nous... Pourquoi? Tu t'écoutais parler? Alors d'accord, je garde ma gueule de fougasse au chorizo, mais au moins l'anthropophie risque pas de s'en remettre. Si c'est ça le costume de super-héros. S'il faut se mettre à épargner des psychopathes, alors c'est pas pour moi. Tout le monde peut pas être chef de dortoir. Tu vas me promettre que... Ouais, je ferai bien attention à mes 4 autres moments. Putain! Maintenant, tu m'excuseras. Je suis qu'un gars qui va aller voir une fille et qui va lui dire... Putain, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Pour ça, tu vas te débrouiller sans moi. Je peux même pas te dire... Je l'ai mérité. Ça aussi. Non, peut-être pas les parties. Vas-y, je t'écoute. Je suis désolé. Tellement désolé. De tout, je suis désolé d'être parti et de m'être dégonflé tout ce temps. J'ai eu 1 ou 2 ans assez difficiles. Pour toi, difficile. Ma maison, c'est une fumée de crack. On est une famille de 12. On dort dans le même lit pour la chaleur. On se bat pour avoir Mireille. C'est la plus grosse. On partage tout ensemble. L'espace, le fil dentaire, même les capotes. T'habites une maison, alors? J'aurais dû te retrouver plus tôt. Mais le gars sous ce masque, c'est plus le même que celui que t'as connu. Ce masque, si tu veux dire. Celui-là aussi. C'est au cas où l'autre tomberait. Oui, tu... Aïe.
C'est comme un sparadrap, en fait. Aïe, Yoli. Attends. T'es sûr? Je suis presque sûr. D'ajustement et une bonne dose d'alcool. C'est un visage. Qui m'irait bien entre les cuisses. Sous mon costume, je suis plus le même homme non plus. Non. Super bite. Surveille ton langage, Will. Il y a une jeune demoiselle. Vous êtes encore là, vous deux? Allez, Cassos, allez vous rendre utile un peu. Toi, va faire le très très grand frère quelque part. Et dis à Fauve de plus chier sur ma pelouse. Et toi, petit poussin jaune, rien ne se compare à toi. Sinéad O'Connor 1990, pardon. Ça va. T'es cool. Putain de sa race! C'était pas une vacherie! Je suis trop fier de toi! Nous allons faire de toi un X-Men envers et contre tout. Là, pendant 2 secondes, on aurait pu être 3 millions robots qui fusionnent pour devenir un super robot. Mais là, t'es con. Ouais. Et maintenant, le moment que moi j'attendions tous. Super-héros pour pécho la fille. Si c'est celle qu'il te faut, elle fera sortir le héros en toi. Bien, on va finir notre épopée par un plan à la grue. C'est parti, très joli mouvement annonciateur du va-et-vient à venir. Le happy end, ça met tout le monde d'accord, hein? Allez, à la prochaine, c'était votre poupoule d'amour qui vous a chanté. I'm never gonna dance again, the way I dance with you.